mais je connais ça, c'est Adventure Time. Je connais ça, c'est Gravity Falls. Je connais ça, c'est une lettre. Et bonjour à tous, ici Morgan von Brennan. Et on se retrouve sur un jeu qui vient de sortir, Tamarack Trail. Le sentier de Tamarack. Qui est un genre de petit RPG roguelike deck builder. Je crois, je suis pas 100% sûr que ce soit un roguelike. Bon, en tout cas, le gameplay, on a des dés qui lancent des sorts et on assemble des dés et ça fait un peu comme les jeux de cartes à la Slay the Spire, mais avec des dés. Le jeu est disponible pour une quinzaine de balles sur Steam et le Epic Game Store. Il est d'ailleurs à moins 10% sur Steam dans les quelques jours qui suivront la sortie de cette vidéo. Vous pouvez le constater un peu, le jeu est disponible en français, à part les doublages. Et donc on va le découvrir ensemble. Le sentier de Tamarack. Qu'est-ce que Tamarack? Qui est Tamarack? Où est Tamarack? Pourquoi est Tamarack? Comment est Tamarack? Je ne sais pas. Découvrons-le. Ah, c'est abrupt, à direct. Réosélectionner une loupe. Je suis une loupe, d'accord. Je peux être une loupe ou rien du tout. Très bien. Cabane, laboratoire de botanique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah merde, il parlait, j'ai pas vu. C'est vous. Eh bien, bienvenue à la cabane de l'esturgeon. Vous pouvez l'améliorer ici. Ouais, je suis dedans. La cabane s'est quelque peu délabrée au fil des ans. Rénover la cabane pourra vous être utile dans le cadre de votre aventure. Ah, c'est ça. Récupérer des... Pardon. Récupérer des garmombosia pour rénover la cabane. Pourquoi vous rigolez? C'est très sérieux. C'est quoi le garmombosia? C'est le truc en 23, c'est ça? Ça ressemble à rien. Je suis le héros pour votre voyage. Parcourir le sentier en croisant le fer pour débloquer de nouveaux héros. Commencez votre aventure ici. Faites preuve de prudence et bonne chance. Venez, Castoni. Porte botanique, collection de livres. Bon, tout ça, ça coûte des. Garmombosia. Ah! Jouons la loupe, c'est parti, galop. Je vais bien regarder les gens. Et oula! Ouais, effectivement, c'est un peu un. C'est à la Slay the Spire. À ceci près qu'on a la cabane qui va permettre, j'imagine, de donner des améliorations permanentes. Donc c'est plus un roguelite qu'un roguelike. Oui, je joue sur les mots. C'est parti. Vous vous trouvez ici. Et Cugne, faites défiler vers la droite. Et c'est parti. Ouais, ouais, je sais comment ça marche, papy. Un moustique! En cette saison. Vous devez vaincre les monstres. L'intention de chaque ennemi est visible sous leur tête. Ah ouais, c'est vraiment Slay the Spire. Prenez un dé. Hop là. Et j'ai vos compétences avec une faute d'orthographe. Oh là là. En faisant glisser du dé vers une cible. Annuler avec le bouton droit. Vous tapez deux fois sur le dé lancé pour utiliser rapidement la compétence. Paf. Oh. Et utiliser les dés, ça coûte de l'énergie, j'ai pas fait gaffe. Ne pas utiliser un dé pendant votre tour vous donnera un point de détermination supplémentaire au prochain tour. Ah, des points de détermination. C'est quoi ce truc en deux en jaune là? C'est le 6? C'est le 6, j'ai 6 points de détermination. Parce que là, le 24, c'est mes PV. Il y a des cœurs aussi, cœur sauvage, puissance. Et moi j'ai des cœurs en mots, d'accord, j'ai pas d'armure. Les coûts des compétences sont indiqués dans leur panneau de description. Ouais, mais j'ai pas lu. Sans détermination, les attaques ennemies infligeront des blessures à vos cœurs. Protégez vos cœurs. Ah. Attends, c'est quoi la détermination? C'est les 24? Silence automatique pour lancer automatiquement votre dé. Relancez votre dé avec des charges de relance. Ce bouton déclenche le pouvoir unique de votre héros. Voilà pour les bases. Démerdez-vous. Changement de programme. Gagnez 5 patates une fois par combat.
C'est les points de détermination, j'imagine, c'est ma mana. Donc oui, faut vraiment lancer le dé. Faut vraiment lancer le dé. C'est la physique du dé. Eh. 6 points de bouclier, ça protège votre détermination. Remarque, votre bouclier sera nécessaire à chaque tour. Littéralement, c'est Spire. Sans bouclier, la détermination est la seule option qui vous reste pour défendre vos cœurs. Donc c'est chou. Donc j'ai ma détermination. Donc ça coûte une patate, ça inflige une baffe à 5. Allez, lui s'apprête à mettre une baffe à 6. Esquivez déjà un gars affligé par une attaque par des 1 en cas de dommage subi. Pan. C'est quoi ça? Retournez. Gagnez un esquive. Retournez de l'autre côté. Épuisement. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais apparemment, je l'ai utilisé. Lisez une description attentivement. Mais je l'ai fait! J'ai pas compris! Sa compétence s'épuise. Hein, c'est épuisement quand on lance les Spire, je peux plus l'utiliser pendant le combat. Et c'est ça. Bam! Super. Je vais juste lui mettre une grosse baffe, alors bam! Et je vais relancer mon dé. Et paf! Pourquoi il a envie, j'ai pas compris. Ah, parce qu'il a la détermination. Et tant qu'il a la détermination, il faut que j'attaque. Une compétence pour être affectée par les rebonds de vos dés. Un rebond survient quand les dés entrent en collision les uns avec les autres. Oh. Chaque rebond augmente le coût d'une compétence de 1. Ah. Les rebonds entre dés sont comptabilisés comme un seul. Oh. Vous devrez trouver davantage de dés pour augmenter vos rebonds. Ah. D'accord, mais comment ça marche avec le... Parce que bon, avec l'autolance... Attends. C'est-à-dire que je lance un dé, puis après je lance un autre dé, et s'il se rentre dans la gueule, ça compte, ça fait un truc? Infliger 3 enseignements par rebond. Infliger 3 enseignements. Je peux relancer mon dé. Non, je peux relancer mon dé. Bon, d'accord. Il saigne. Il se met une esquive. Salaud. Ah, par exemple, si je fais ça. Qu'après je fais. Bleh! Voilà, c'est ça, il se rentre dedans. Et du coup, rien. Bam! Bah, armure, j'ai pas le choix. Il est drôlement long son combat contre le Sigmo. J'ai le droit de le buter à moi ou. Ok, là je lui ai abîmé un cœur. Je vais le taper une deuxième fois. Choisir une parade, deux cumuls de parade. Infliger confusion aux ennemis qui vous attaquent. Ok. 5, c'est quoi 5? C'est les gabusomeux que j'ai gagné là? Attaque surprise. Flèche 4, fait tourner le dé vers la gauche. Ah. On va prendre ça, c'est marrant. Bienvenue dans la forge de dés. Effectivement, une aigle de dimension. Moi, vous pouvez personnaliser vos compétences ici. Prenez un dé. Je vais prendre ce dé là, il est nul. Vous pouvez mal utiliser vos. Ah oui, ah bah oui, c'est le patron du dé. Ça monte les faces. Ces compétences. Ah, je vais remplacer une de mes faces. Ah. Revenez au sentier, il faut vous définaliser. Ouais, il est bien comme ça. Cool. Et si j'ai quoi comme côté?
Ah non, c'est pas comme ça. Ok. C'est bien. Alors que je comprenne. Attendez. Donc la barre au milieu, donc c'est ma détermination, qui me sert à la fois de barre de vie intermédiaire et de mana. Le chiffre à côté, là, le 7 pour moi et le 2 pour lui, c'est la régène. C'est-à-dire qu'au début de mon tour, je récupère 7 points de détermination. Si j'ai plus de points de détermination, les dégâts partent dans mes cœurs. Si je perds tous les cœurs, je meurs. Oui, c'est obligé. Aïe. C'est ça. Pan. Et pan. Bon, j'ai pas eu trop l'occasion de découvrir mon autre coin. Rien, j'ai 7 points par rebond de dés. Oh. 3 cumulés seulement par rebond. Oh. Fais tourner vers la droite. Un traître, hein. Puis on va mettre là. Ok. Alors, baston ou coffre? Et après, il y a des camps. Je préfère coffre, baston, camp. Et après, double baston et un camp ou pas. Bon, clairement, si je vais en haut, je passe par là. Ou baston, camp, coffre, gabusonneux, baston. Je vais prendre un coffre. Ah ouais, et ça, c'est l'air. Et ça, c'est l'air. C'est vraiment ça, juste pas hier, au secours. Ajoutez 5 points de défense sur du retournement d'un dé. Au moment de 1, la réagène de votre détermination. Toutes les compétences défensives conservent 2 supplémentaires. Ah, c'est les potions. Je prends le pouce de géant. Et vous avez gagné un cœur de dés. Les cœurs de dés sont les puissants modificateurs applicables à vos dés. Prenez un dé. Les dés ne peuvent consigner qu'un seul cœur, on peut changer comme on veut. Ah, donc quand ce dé sera retourné, je gagne 5 de défense. Mais c'est nul, parce que ce dé ne se retourne pas. Gagner un skill, retourner de l'autre côté. J'avais pas des faces qui retournaient mon dé? Faites tourner le dé vers la gauche, si c'est ça. Attends, peut-être que j'aurais fait ça. Ça, parce que comme ça, il y a plusieurs compétences sur ce dé qui peuvent le retourner et je mets le doigt de géant dessus. Voilà. Et on va vers le haut pour avoir un camp en plus. Un rat. Avec un flingue. Oh no. He's got a gun. Voilà. Et j'ai effectivement gagné 5 de défense comme promis. Et on va juste lui mettre double attaque dans les gencives. Ça fait plaisir. Pan. Ah merde! L'esquive, ça prend avant la défense. Oh non! Du coup, les défenses, ça servait à rien! À rien! Paf! Aïe! Paf! 3 points. Ah, encore un truc qui peut retourner mon dé. Ouais.
carrément. Alors, un campement, c'est ce que ça va me permettre d'améliorer. Gagne c'est un cœur et gagner 5 machins pour le prochain combat. Hein? Mais c'est ça que j'étais full life. Parce que je suis doué et je joue bien. J'ai du talent. Un piaf! Avec un flingue! Oh oui! Saigne mon poulet! Mais ça fait 2 x 5 là. Ouah! Pourquoi il a ramené un pote? Il sort d'où lui? Il va me défoncer! Le mal! Hein, pourquoi ça lui a rien fait? Ah, les relances, c'est pour toute la run. Ah. J'utilise mon pouvoir héroïque et je... Par contre, lui, je lui ai mis le saignement sur la gueule. Pourquoi il y a toujours qu'un de saignement? C'est un bug? Putain, c'est un bug! J'ai gaspillé mon saignement! Oh non, mais par pitié. Mais par pitié! Piquer deux cumuls d'explosifs si vous utilisez fertilité. Oui, mais j'ai pas de fertilité. C'est incroyable ça, je comprends rien! Je vais me faire buter par des pigeons! Quatre points de dégâts, fait tourner vers la gauche. Ok. 4 points de dégâts, fait tourner vers la gauche. Ok. De déclencher un combo infini! Wouah! Succès déverrouillé, combo infini. J'ai pu changer fait, je reviens que vous enchaînez les rotations de phase pour former une boucle. La dernière phase de la boucle s'épuise pour alimenter le combo. Chaque phase à capacité rotative offre un effet de combo infini différent. Wow. C'est dingue. Ça le tient. Deux points de machin, faire tourner vers la gauche. Oh oui, j'aime faire tourner mon dé. En vrai, c'est un peu nul. Attends, je visualise mentalement ce que lui, du coup, effectivement, il se retrouve à côté de ça. Mais il l'indique. Il l'indique quand je survole, d'accord. J'ai pas besoin d'en réfléchir. En vrai, je fais ça, mais. Pour 2 points de dégâts, c'est un peu de la merde. Bon, je le mets, hein. C'est un peu de la merde. Quand à côté de ça, il y a des gens qui font 4 points de dégâts et qui tournent. Bon. Je sais pas qu'on se fout de la gueule, mais un peu quand même. Ah. Paf! Paf! Combat fini! Et paf! Hop là! Succès critique, gagner le combat d'un seul tour. Hop là! Et un esquive, retourner de l'autre côté et épuisement. Ah non, je l'ai déjà un comme ça. 7 points et 2 cumuls de gel. 7 points par rebond de dé. Deux cumuls d'exposés, fertilité. On va le mettre, hein, j'ai pas de furtivité, mais on va le mettre. Ça fait toujours plus de dégâts que ces trucs-là. Un autre camp, c'est encore juste pour me soigner. Ouais, ok. Alors, où les gros? Qu'est-ce que c'est? Il a... C'est un genre de chimère, enfin genre il a une patte d'oiseau.
Une tête d'ours avec des bois de serre, une queue de raton laveur. Ha ha! Paf! Ha ha! Paf! Paf! Tiens, pour ta gueule. Aïe! Paf! Ah merde. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'ils ont dit. Quand j'utilise un combo, ça épuise. Zut. En vrai, ça va. Paf! Et paf! Vaincre l'élan raton laveur. Ah, d'accord. Et du coup, j'ai récupéré un peu de Glooby Boulga. Et je gagne un dé surtout. Un dé vierge. Enfin, je vais le remplir. Je vais pas avoir un dé nul qui a rien dessus. C'est marrant, il m'a pas ouvert la forge de dés automatiquement. Il va rien avoir avec. Baston, gabusomeux. Baston, baston, coffre. Baston, coffre. Ouah. Et le cratère de logique nucléaire de la Legion of Modern Time. Ok. En bas. C'est quoi ce truc? Bon, en bas, il y a plein de combats. Il y a ce truc qu'on connaît pas. Il y a du gloubi-boulga, un coffre, une tente. C'est goldé en bas. On y va. Je prends un peu de café. Oh les rebonds. La grosse mouche meurt. Paf. 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 Et bam. Et bam. Trop facile. Oh oui. Ah, ou de la furtivité. C'est bien ça, on peut le mettre sur mon nouveau dé. Comme ça, avec un peu de chance, il se cumulera avec l'autre machin là qui me donne des cumuls de je sais pas quoi quand je suis furtif. Ça va être bien. Café est froid. Et paf! Le combo! Et paf! Je sais pas si c'était intelligent de distribuer mes dégâts comme ça parce que. De toute façon, je pouvais pas le tuer. Hé, trop d'armure! Ah! Recevez la moitié de vos. Perdez 1 en cas de ma cheville. Oh! Paf! Pour faire des dégâts! Repaf! Pour l'achever! Paf! C'est épuisé. Je peux le jouer quand même. C'est juste que ça fait rien. Paf! Et paf! Et boum! N'ayez pas cette détermination pour utiliser votre compétence et elle est devenue épuisée. Hein? Pourquoi utiliser la plupart des compétences de dés, mais ne vont pas basculer et deviendra épuisée pour utiliser. Ah, vous pouvez utiliser des compétences qui provoquent naturellement l'épuisement. D'accord, si j'ai plus de détermination, je peux quand même me jouer, mais tout ce que je joue. Tout ce que je joue sera épuisé. Ah, bon là ça va finir le combat donc je le fais quand même. C'est pas mal ça. Truc mus-aliment par rebond. 4 à tous les ennemis. 3 et 2 cumuls d'assoupi. Ce qui réduit la régénération. Ah. C'est pas mal. Dans ce genre de jeu, les dégâts de zone en général c'est de la merde. Parce qu'un ennemi bas en vie ne fait pas moins mal.
Et si l'ennemi bat en vie ne fait pas moins mal, c'est-à-dire que le seul moyen de réduire les dégâts qu'on prend, c'est de tuer. Et bah pour tuer des ennemis, bah faut les focus un par un. Et non pas faire des dégâts de zone. Les dégâts de zone ne sont bien que si ça permet de tuer au moins un ennemi, quoi. Alors. Bah tiens toi, bonne nuit. Interdiction de te régénérer. Fair button. Qu'est-ce qu'il fait? Une esquive. Enfoiré. France. Sérieux? Bon bah je vais me défendre hein. C'est obligé. Aïe, ils me font mal. Ils sont méchants. Ah ah! Paf, comme ça. Paf, comme ça. Et il va pas faire de dégâts, donc je vais économiser ma détermination plutôt que de jouer ce dé de défense. Comme un débile. Derrière, blâme. Et blâme. Il se fait renvoi. On renvoie la moitié des dégâts à l'attaquant. Oh. Tiens, voilà, dégâts de saignement. Pour ta gueule. Infliger 7 dégâts. Tourner le dé vers le haut. Si l'ennemi attaqué subit un malus. Ouais, j'utilise pas tellement de malus que ça. Deux cumuls de parade. On tire percé. Ouais, j'imagine que je peux utiliser exploitation de faiblesse, mais je sais pas où est-ce que je peux le mettre. Parce qu'attends, il y a quoi? Ça, c'est de saignement. Ouais, j'ai ça qui fait du saignement, mais c'est tout. Ah non, j'ai ça aussi. Flèche tête poirifique. Ok, bah du coup, ce que je peux faire, c'est... Je vais tourner vers la gauche. Ouais, mais non, ça fait tourner, ça j'aime bien. Donc à la place d'une attaque normale, on va mettre ça. Voilà, puis avec un peu de chance, ça pourra faire des combos. Alors, la machine. La machine. Ah, c'est une auberge. Un cochon. Il y a des gens qui mangent et tout. Il y a un vieux. Ah, c'est une boutique. Bonjour. Ah, je peux dépenser mes pièces pour acheter des faces. Deux cumuls de sacrifice, faire tourner vers le bas, bof. Trois cumuls de confusion aux ennemis qui nous attaquent. C'est le moutmout, mais c'est un loup. Deux cumuls de confusion, faire tourner vers la droite. 7 dégâts et deux cumuls de gel. Ah. Deux cumuls de confusion et vers la droite, c'est intéressant. Et lui 8 de défense et 8 de défense supplémentaire par ennemi aveuglé. 3 de défense, 5 de défense par cumul de confusion. 2 cumuls de furtivité fait tourner vers la droite. 2 points de machin fait tourner. Hein? En vrai, t'en as pas dans l'ombre. Vers la droite, du coup, si je le mets là, quand je tombe dessus, vers la droite. Et oui, c'est marché qui gagne le bonus quand je suis furtif. Ah ah, je suis intelligent. C'est vraiment bien ça. Esquive, ouais, esquive, c'est bien quand même. Et ça fait retourner là, ça fait retourner son sac quand il fait retourner. Ouais, d'accord. Qui eux se retournent effectivement entre eux. Et lui qui permet d'aller aussi sur le combat infini. Ouais, il est vachement bien ce dé en vrai. Il est trop bien ce dé. Exceptionnel ce dé. C'est mon dé préféré. Je peux parler aux gens là? Non, je peux pas. J'ai du gorgonzola. On se casse. Encore un stick mou et encore un connard.
Vous avez 6 ennemis, 1 malus. Et si j'ai furtivité. Et là je te tape. Et là je te tape. Ça se fait. Je te tape comme ça, ça te tue, et toi je te fais giga mal parce que j'ai 2 points de paf. 2 points de paf. Par contre, j'ai vachement bouffé ma détermination. C'est pas grave parce que je fais paf. Je fais paf, et je me protège. Ah, mon cœur. C'est la première fois que je perds un cœur. C'est terrible. Meurs, salaud. 10 dégâts, 2 cumuls de saignement par rebond. Oh, ça fait super mal. Et je me suis vu commun, insolite. 6 d'armure et 1 contre-attaque. Ah, pardon. 7 de cumul de gel. Ah, 6 d'armure et 1 contre-attaque, c'est mieux que mes machins de défense, hein. C'est même beaucoup mieux. Je pense que j'ai assez de trucs défensifs comme de trucs offensifs comme ça, pardon. Contre-mesure, c'est pas mal. Et en même temps, 10 points de tarte et du cumul de saignement, sachant que j'ai le dé qui profite des effets spéciaux. Non, allez. Ouvre les deux yeux. Allez, un peu de gabusonneux. Ah non, bête menacée. Une ombre menaçante émerge des ténèbres, et votre regard croise celui d'une bête féroce et effrayante. Combattre, sacrifice, tenter d'abaiser, fuir. Celui-vous qui venez de loin après quelque chose d'intéressant par là-bas, hein? Je peux pas savoir ce que ça fait. Je peux la tabasser, hein. Qu'un sacrifice, je peux vous lui filer des trucs. Parce qu'un sacrifice, si c'est une compétence, je m'en fous. Si c'est un dé. Faut essayer pour savoir, offrir un sacrifice. Vous offrez un peu de sang, vous perdez 5 de détermination. Et donc? Et c'est tout? D'accord. Ah! Je suis caché. Je tourne le dé vers la droite. Et je vous saigne comme un porc. Et toi aussi. Et je vais économiser ma détermination et mon combo infini. Aïe. Paf. 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 Et paf. Et on s'arrête là. Parce que j'ai déjà largement assez de défense grâce au dé qui se retourne. Elle est infinie. Ça, bah, c'est l'esquive. L'esquive, ça reste, non? C'est l'ennemi subit un malus. Pas assez de détermination. Ah, j'ai pas assez de détermination. Et comme c'est une compétence qui s'épuise de base, je peux pas dire que je l'épuise pour la payer. Par contre, pourquoi il y a les effets des machins qui sont... Je vais me prendre un peu de régène. C'est vrai que j'ai pas pensé ça, mais à chaque combat, j'ai le droit de gagner 5 de détermination gratos. Ah. Bah ouais, je vais prendre la contre-attaque et je vais te saigner comme un peur. Je sais pas comment j'ai fait pour sortir le...
La description des dés là sur la gauche. Je ne peux pas la retirer. Voilà, tiens. Attends, ça coûte 3. Ça coûte 3 aussi, d'accord. Bon, allez, hop. Bartway. Ouais, une ouf, fléchette soporifique. Ah. Confusion vers la droite. Et d'autres contre-mesures. Ah, j'aime bien les contre-mesures. Ah, j'ai dit, ah oui, c'est vachement plus fort. Mais ça coûte vachement plus cher aussi. Ça, c'est 6 points. Gratuit, ça coûte pas de détermination. Ah. On va peut-être pas le mettre tout de suite, alors. Petit coffre. Je pense qu'on s'arrêtera après le prochain boss. Un autre pouce géant, ouais. Un malus cumulé aléatoire lorsqu'un dé est tourné. Ah. Ou du sang de démon. Donc ça, à chaque fois que je l'utilise, je récupère de la régène, c'est ça? Ou c'est un effet passif? Genre, tant que j'ai ce dé, je récupère de la régène. Bon, on verra bien. Je pense pas que ça augmente ma régénération de détermination à chaque fois que j'utilise le dé. Ce sera un peu abusé. Ça m'augmente juste ma régène de 1, ce qui est déjà très bien. Baston. Oula! Ouais, il est sur un scarabée géant. Ouais, ma régène est à 9. Paf! Et paf! Et paf! Et je te fais super mal à toi, bla! Et je me protège! Ouh là 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 là, le contre qui marche bien! Genre, ça me coûte super cher, mais celui fait des dégâts plusieurs fois ou... Ah non, quels que soient les dégâts qu'il prend... Quels que soient les dégâts qu'il prend, s'il fait perdre exactement un gars... Ah ! Mal. Je crois qu'on va s'arrêter au boss parce que je vais mourir au boss. Tourner vers le haut, c'est mis à un malus. Il a un malus, il saigne. Pourquoi ça lui a rien fait? Il y a un bonus que j'ai pas vu. En tous les cas, il va gloubi-boulguer, donc on va... Ah, quoique... Non, on va économiser. Oh, ça coûte 3 quand même. Non, j'ai économisé ma détermination. Effectue une attaque lourde à 3 cum. Mais il va me tuer, en fait. 4 cumul de furtivité. Ah, je suis caché. Et puis je gagne une esquive. Et je fais tourner mon dé vers la droite. Et je te saigne comme un peur. Aïe. Paf. Gagner le combat en n'ayant plus qu'un cœur. Ce que vous avez, retourner. Ouais, je sais pas. Lui, je vais pas le mettre, hein, je m'en fous, mais. Trois cumuls de saignement par machin. Ah non, ça c'est balèze. C'est mieux qu'un coup de griffe, non? Je pense. Ok, bon, campement. Je vais pouvoir me soigner un peu. Oulala, qu'est-ce que c'est ce truc? Eh.
Ah, mais j'ai de la furtivité. Cette fois exposé, vous subissez 30% de dégâts supplémentaires par cumul. Ah, donc là, il prendrait 60% de dégâts supplémentaires si j'avais un dé. Eh, ma femme est dessus. Alors, absorption. Gagnez une attaque téméraire quand la phase du dé est épuisée. Perdez une attaque téméraire quand les dés sont rejoués. Hein. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais je fais tourner vers la gauche. Je fais tourner vers la gauche. Combo infini. Je saigne. Saigne. Je me soigne. J'ai pas le droit. D'accord. Je me soigne. Il va me faire 4 x 14. Mama. Il va me faire 4 x 19. Bah, je suis mort. D'accord. Infliger 3 dégâts, si l'ennemi est assoupi, 8 en... Récupérer 8... Oh. 8 de patates. Pas mal. D'accord. J'ai un Gloomy Boulga, je peux améliorer un truc? Il en faut 10. 15. Débloquer les affrontements de puzzle. Hein? Mais j'ai récupéré qu'un seul Gloomy Boulga! Gorgonza! J'ai vu du quoi d'autre? Gabusomeux. Quel nom de merde. Bon! Et ben c'est donc bel et bien un bon gros roguelite des familles. C'était la découverte! Très intéressant ce jeu, j'aime bien. Trails of Tarama? Tamarak? Tarmac? Je sais même plus. Le sentier du Gloomy Boulga. C'est tout. J'ai pas de transition. Au revoir à tous et à la prochaine.